Sami famille Noël Akay, élection présidentielle américaine a avancé. Donc qui est-ce qui a plus en chance pour gagner élection? Et pour ça, nous aller sur site 538 qui est montré Kamala Harris avec pour son chance pour et remporter élection par rapport à Donald Trump qui gagne 49%. Donc c'est toujours serré bataille là. Donc bataille jodi la fête dans cet état clio. Donc en main comment et grand électeurs yé dans état ça yo, mais Wisconsin qui gagne 10 grands électeurs, gagne Michigan dans 16 grands électeurs, Pennsylvania et 20 grands électeurs la dernière, North Carolina 15 grands électeurs, Nevada 6, nous gagne la Georgia qui gagne 16 et puis Arizona qui gagne 11, donc un grand électeur la dernière. Donc c'est là que bataille en lié et jodi. Donc n'a pas rappelé que Kamala Harris lui-même il gagne un léger avantage, il totalisé 226 grands électeurs par rapport avec président Donald Trump qui gagne 216 électeurs. Donc nous gagne gouverneur North Carolina qui c'est Roy Cooper qui déclare donc sur MSNBC et que état North Carolina gagne en pile chance pour que Kamala Harris arrive gagner état ça. Donc c'est raison que Donald Trump avec JD Vance donc on était concentré dans état ça pour essayer de cachavirer et donc donner yo en faveur. Donc une autre bonne, nous gagne gouverneur Wes Moore qui déclarait que nèg noyo vous mettez tête ensemble pour que yo voter Kamala Harris côté que agenda Kamala Harris là li gen en pile espoir et pour yon meilleur demain pour communauté noire là. Donc faut que nous rappeler aux amis famille et à Noël Akayo donc et nan moment nan moun ki vote avant yo c'est gen en pile famille ki vote. Donc quantité garçon yo pas en pile. Donc garçon noir yo était plus à supporter donc Donald Trump parce que Donald Trump qui t'a pas voté, yo était estimé que et Biden avec Kamala Harris pas respecté mo yo par rapport avec yo et bien yo était plus à supporter donc Donald Trump. Donc c'était mesdames yo noué et qui t'a pas supporté donc Kamala Harris et noué dans tout rassemblement yo. Donc en pile et gros star américain donc tant qu'au Alicia Keys nous t'ouais au poids et Jennifer Lopez nous ayon paquet en gros star et qui était venu dans rallye qui était venu dans rassemblement yo et sans oublier Cardi B et qui était venu pour que yo supporter Kamala Harris c'est Kamala que yo même yo endossé donc yo et nous connaissons que moun sa yo donc yo gen un paquet moun k'ap suiv yo donc yo ka influencer yo donc pour que yo choisi et moun que pour voter yo. Donc bon côté haïtien yo nous connaissons que haïtien yo té nan cœur élection ça nan cœur campagne là côté que républicain yo été fait campagne sous donne ben nous voyons que gen en pile haïtien nan état Ohio nan Springfield nan Floride là dans Miami donc qui t'ai voté dans early voting yo et bien bonnet jeudi 5 nan et bien bonnet et jeudi 5 novembre nan qui t'ai allé et voter et parce que yo dit que Jean élection en série là donc quelque soit grain vote lié li et pour le faire différence. Mais nous avons Karine Pierre qui est une haïtienne qui est porte-parole à Maison Blanche et bien dans petite vidéo ça que vous regardez là et li encourager donc tout haïtien pour que yo vote Kamala et Harris parce que Jean élection en série hein, et bien et vote haïtien yo a pas compté et en pile donc amis et famille nous yo donc qui a fait donc une grande et différence là. Donc les nous monter sur site là sur site 538 au cas où que et Jean que bataille là Jean le série donc 50% de chance par rapport à 49% de chance pour que Donald Trump lui-même lui remporte élection hein. Donc après mais état que et que monsieur Damio a bataille dans moment là donc c'est état Cléo qui c'est sept état Cléo mais gouverneur là Roy Cooper il dit que et Kamala Harris a gagné en pile chance pour que l'état gagne North Carolina. North Carolina nous et ouais là et que donc North Carolina donc ça veut dire que si Kamala Harris a gagné North Carolina donc il est a gagné donc deux autres états en gagné Pennsylvania il a gagné Pennsylvania donc la seulement et besoin un grain état donc pour que li gagne élection par rapport avec donc et Donald et Trump
donc zami et famille noyo. Donc a gen ancien président donc un jodiant qui voté et bien bonnet et matin dans état Floride dans West Palm Beach côté que il était débarqué là le voter et nous ouais. Donc a gagné équipe lien qui fait gros déclaration surtout yo paré donc pour que yo fait une bataille légale si que yo t'a perdu élection et nous ouais que gagné un gros dispositif de sécurité qui prend dans Washington avec quelques états et que moun yo et surtout républicains au café des ordres et nous ouais qu'un pile barricade que yo metté et bien faut que nous dit yo gagné FBI qui arrêté un jeune garçon 24 l'année qui c'est Skyler Philippe et qui est sorti dans Columbia Tennessee et bien monsieur était planifié pour que il était éclaté un réseau électrique pour que il était metté Tennessee dans Fenway dans blackout pour que donc il était perturbé la vie citoyen yo donc dans zone Tennessee examiné bien FBI arrêté donc monsieur donc en pile des ordres paré pour fait si que Donald Trump lui-même pas ta gagner élection et qui Donald Trump yo déjà monté yon cabinet là pour que yo bataille et légal pour font bataille légal et si yo arrivé et perdit donc élection gain et diplomate Pierre Antoine Louis qui t'occupe alors non plus à détail donc sur comment que élection lui-même a pas déroulé faut que nous dire que gagnien et dans Pennsylvania donc selon yon juge qui est avancé donc à 22h pour que yo ferme bureau de vote yo parce que c'est à 7h du soir t'as fermé et bien t'es gagné panne et non bureau yo que moun yo pas ka voter et bien yo obligé donc avancer et pour 10h du soir et pour que moun yo même et fin voter pour ka fermer bureau de vote yo. Donc en trois nuits qui c'est un diplomate américain donc d'origine haïtienne et bien monsieur Libral Banon donc en pile et détail pour expliquer nos questions de grands électeurs et question des votes populaires donc parce que aux États-Unis c'est pas vote populaire là qui faut au président mais c'est question de grands électeurs là donc en pile monde toujours il y a problème avec et question ça que nous pral faire autant de plus détails avec Pierre Antoine lui et que n'a pas évité autant de et si que vous un commentaire pas oublier la gueule en bas vidéo bien premièrement il y a des élections générales qu'a fait aux États-Unis comme ça fait chaque 4 ans. Faut moun comprendre que il y a élection pour président vice-président, il y a élection pour 34 sénateurs, il y a 100 sénateurs aux États-Unis. Donc chaque 2 ans, il y a élection pour 33 ou 34 sénateurs selon le cas. Année ça c'est 34 en partie parce que il y a un sénateur qui démissionné, faut qu'il remplace dans le Nebraska. Donc il y a élection pour 34 sénateurs. Et puis il y a élection pour l'ensemble de la Chambre des représentants qui va dans la Chambre des députés aux États en Haïti. C'est 435 représentants. Maintenant, il y a élection pour 11 gouverneurs, 11 dans 50 gouverneurs. Il y a élection. Il y a élection pour un paquet de maires à travers le pays. Bon élection pour un paquet de conseils municipaux à travers le pays. Donc son élection générale qui fait chaque 4 ans. Donc, l'autre bagage pour nous comprendre, contrairement avec Haïti, ok, m'a fait contraste pour nous comprendre. Aux États-Unis, pas un conseil électoral national, ça n'existe pas. Ok? Il y a 50 élections qui ont fait là. Il y a 50 appareils différents qui ont fait élection dans le pays. Ah bon? Chaque état, c'est ça que fait gain état côté élection côté nonobstant différence qui gagne entre la côte est qui a 3 heures d'avance de la côte ouest. Ça n'a qu'à comprendre ni. Mais pas gain élection pas commencé à même là. Gain état commencé à 6 heures du matin, gain à 7 heures du matin. Ou pral wè assoya la scrutin a fermé à des heures différentes. C'est parce que pas un conseil électoral national au niveau fédéral qui a fait l'élection. Élection déconcentrée, décentralisée aux États-Unis. OK. C'est l'État qui a déterminé, OK, qui j'en vote la fête. Cependant, la Constitution trace, OK, qui j'en électeur qui a voté. Cependant, c'est à tel enseigne que, ou qu'a retenu l'État, côté, en passant, par exemple, aux États-Unis, si ou t'es sentence d'une peine affective et infamante ou perdu le droit de vote. OK. Mais gagné ta kankou Floride côté moun yo amendé la constitution pour moun sa yo ka voter.
Donc même ça a pas uniforme. Alors m'te vle peuple haïtien comprendre ça. Maintenant, moun k'ap vote a soyo a vote pour la présidence. Y a vote pour Kamala Harris ou bien pour Donald Trump. Cependant, indirectement, c'est pas au même qu'appelé président. Il a voté dans l'état européen. Alors juste avant, je dis qu'il y a d'autres candidats au-delà de deux mounza, il y a d'autres candidats à la présidence. Oui. Oh, qui permet moi dit. Les États-Unis pas aussi démocratique qu'un peu le monde pensait dans le choix que électeur gagne deux candidats. L'establishment des États-Unis, l'establishment pour moun k'ap tande yo, c'est son mot anglais. Establishment, l'établissement souvlé mais qui pas réellement traduit en français. En fait, son concept qui voulait dire un groupe moun non société qui de par leur éducation et ou leur classe économique et ou leur position politique, leur position dans la société, des leaders religieux, des leaders communautaires, des leaders de la presse, on lit leader d'opinion quand nous, on chita attendre nous, monsieur, ouais ça n'a dit là, des monde qui croit fidèlement dans ça n'a dit. Oui. Ah oui. OK. Des monde qui croit fidèlement dans ça n'a dit. Donc moun sa yo, yo gon gens orange yo pour que les États-Unis gon système bipartite. Républicain et démocrate. Yo entend yo sous ça. Yo entend yo sous ça. Même les gain parti. Même les gain l'autre parti. Oui, ça dit yo pas chita non sale. Oui, yo pas chita non sale la faire conspiration. C'est ça faire non conspiration, c'est pas forcément monde qui chita non sale. Et puis d'accord pour font bagaille. OK, gros gens société a ordonné. C'est une sorte de manipulation. Gros épistémologie. Moi et sociologue estima là. Vous comprendre et c'est malheureux pas dans débat pour monsieur. Vous comprendre donc m'a propose civil même. Bon regardez. OK. Bon, civil là. Vous suivez mais à culpa micro vérité gon épistémologie ouais épistémologie façon où moun comprendre son comprendre monsieur ouais c'est haïtien nous pas dominicain pas américain en passant mon passeport américain tout m'te voté le 22 son l'autre histoire même m'a expliqué OK pour m'ba moun yo pour m'ba moun ah vous t'a voté là comme voté le 22 c'est ça que fait venir hier m'te ca participer dans mission comme ça aujourd'hui a relé m'a de l'autre bord pour m'a venir t'es pas là avec OK gon façon moun comprendre son comprendre là gon réseau fait nous haïtien c'est-à-dire gon niveau côté même content des américains moi haïtien non niveau pas jamais caractère sur moi mon gens mieux mon gens façonné mon gens penser well américain gon gens lié gon gens penser gon gens réfléchi gon gens connaît ça connaît donc nous ranger établissement pour éviter la cacophonie pour que la racaille pas prendre contrôle pays a jouer la racaille prendre contrôle Haïti a et la racaille c'est pas forcément monde qui pas connait on est cas connait le racaille gros espèce de racaille au conseil présidentiel c'est ça qu'on a sorti là aujourd'hui a faut monde comprendre bien la racaille c'est pas monde qui pas de chance contrairement à monsieur civil moi même Robin sans pour même ouais pour nous capable priver côté niveau là aujourd'hui donc on y range yo yo utiliser les médias yo utiliser tout ça qui est important dans pays là tout groupe social qui est important dans pays là pour que toute aspiration politique dans pays là s'ouvre vi nous bagaille vrai sauf de rares exceptions ou après Bernie Sanders te vle indépendant que lié Vermont côté le sénateur li te vle candidat à la présidence li fait sous la bannière démocrate parce qu'il pas tap capable river côté le vleu river a comme indépendant dernier indépendant qui participait nos élections qui te fait un petit vote plus ou moins donc pas gagne chance pour l'autre candidat du tout c'est Ross Perot en 1994 et puis Bill Clinton vient gagner à 43% une pluralité Bill Clinton président à 43% parce que aux États-Unis pas gagne 50 plus 1 pas gagne deuxième tour donc yo range yo pour que soit en républicain soit en démocrate en Haïti gain 200 ba konnen 300 partis donc en Haïti loi l'élection gain plus choix qu'on gain aux États-Unis mais ça ne fait pas nous ouais que ça va montrer que Haïti pi démocratique que les États-Unis Haïti pi instable donc son facteur de stabilité que establishment les États-Unis en range col pour démocrate avec républicain et président allez frère nous t'a pas regardé sous ensemble de comités organisateurs bon car les cap organiser élection ou dit ou dit pas gon qui là pour tout pays pas gagne qui là pour tout pays l'idée concentrée commission électorale gérer commission électorale fédérale c'est pas li pas là pour le faire ça
Ou elle parle pour organiser l'élection. Il est intervenu au niveau d'une série de questions politiques. Par exemple, l'IVE à ce que les contributions que nous recevons, ils ont utilisé à bon escient. Il y a un rapport pour faire, ils fait au Federal Election Commission, la commission fédérale électorale. Mais elle parle pour organiser l'élection. Organiser chaque État indépendamment de l'autre État. Nous avons demandé comment coordination en fait. Pas de coordination. Mais qui s'est passé? L'on vote aux États-Unis, ouais, on va venir sur question, on va poser, moi après bah la suite logique. Donc, on vote aux États-Unis. OK, on utilise épistémologie yo, sociologie système là. Yo mettons dans carcan démocrate républicain. OK, m'a préserver mon pour me dire mon qui ça aux États-Unis. On pendant ma fait analyse et puis si après mouvement démocratique me voter, c'est droit me ca violer secret, le vote est secret, même moi ca violer secret, si me ca dévoiler secret non, si vous voulez m'amender ma réponse même pas faire ça. Pas de problème. OK, so mon a voter, il voter pour républicain ou démocrate. Le voter a dans état candidat qui joint plus voix a gagné vote du collège électoral qui est réservé à état ça. Maintenant le collège électoral est composé de 538 membres. 538 membres là a portionné ainsi. Parce que l'on vote ou vote, yo prend vote ou dans état là, moun ki prend majorité a. Dans 48 états, moun ki prend majorité a. 50 plus 1. Y a bal tout vote collège électoral là, sauf dans deux états. Dans le Maine et dans le Nebraska. Collège électoral pour moun ka n'a pas les grands électeurs. On va le venir. Ouais ça moun après les grands électeurs, on va le venir sur ça. Maintenant, sauf Maine avec Nebraska. Yo réservé un district côté dans district ça. Yo pap bay vote électoral là à moun qui te fait majorité dans tout état. Dans district ça, c'est moun qui gagne district à cap joindre vote électoral ça. OK. C'est comme ça Obama te joindre ni. Et Biden te joigni en 2020. Maintenant 48 l'autre état yo sous gen majorité a wap joine tout vote électoral yo mais qui jan collège électoral la formé. En passant, collège électoral la te formé parce que moun père fondateur États-Unis, je dis bien père fondateur pas de gon grande femme la donne. Le en 1787, yo t'a écrit constitution, rédiger constitution parce que constitution est pas aussi grand monde que déclaration d'indépendance là. Il y a des articles de confédération qui fait office de constitution jusqu'en 1787. OK, les pays a créé en 1776 pas de constitution. Constitution américaine date de 1787. Donc les a écrit, il y a délégué calé tout côté micro vérité. Mon yo était tellement cynique mais ça a dit. Yo dit seuls peuvent voter des blancs propriétaires. Ça veut dire sous pas un blanc. Là, je veux dire un garçon, je ne vais pas parler de blanche. Je ne vais pas parler de nègre, un garçon. Si vous êtes un garçon qui possède une propriété, il y a un esclave, il y a une propriété foncière, ok? Il y a les deux, ou pas qu'à voter. Femme pas qu'à voter aux États-Unis jusqu'en 1920. Et puis, donc, on nous regarde et on dit, qu'est-ce que ça va créer un déséquilibre entre les États? On nous dit, wow! Ou pas gon situation mais nous ka gon paquet moun ki pa konn li et puis yo la cagaille ou comprenne et puis yo prend décision pa konn platonique dans philosophe wa yo dit bon n'a créé un collège électoral vous suivez le moun yo voter vérité yo pral voter pour grand électeur et puis c'est grand électeur pral décider qui est ce qui président c'est comme ça grand collège électoral la composé ainsi les 100 sénateurs chaque état gagne 2 quelle que soit population. Rhode Island qui a moins que 600 000 habitants, qui a même valeur sénateur que Californie qui a 50 millions d'habitants. Donc 100 sénateurs, 435 représentants, 455 représentants, ils ont divisé, ok, selon population, ils ont réparti selon population chaque état, la population pays. Donc Californie qui a plus, moun la donne, il a 54 voix électorales. Texas qui deuxième non. Texas gen 40. Floride qui troisième état qui plus peuplé, li gen 38 li gen 30 voix électorales. New York qui quatrième état qui plus peuplé, li gen 28 voix électorales et puis gen l'isla là ainsi de suite. Par exemple Boston, Massachusetts, côte Boston, il y a 11. OK, Pennsylvanie gen 19.
OK, Georgia gagne 16 ainsi de suite. Mm-hmm. Maintenant, le monde fin voter jodi a. Le monde qui était voté avant quand koum. Asoya, yo pral chita, pa gon centre national de tabulation. D'accord. Plutôt, chaque état yo pral di, mais qui j'en vote la sorti bon côté pa yo. Koun ya ap gen moun ki te vote par la poste. Kouye ou poko rive. Mm-hmm. Donc, yap tan, nan état côté le serré serré yo, c'est ça que fait. Ça gen 4 ans, li pran temps pour vin apprendre que c'est Biden qui gagne parce que démocrate yo gen plus tendance pour voter par la poste. Et puis c'est là ou fin dépouiller bagay sa yo, yo ouais. Même quand Jouma di 4 novembre li te le sa. Mm-hmm. Trump te devant ou vin apprendre que c'est pas Trump qui gagne. OK. Donc yo rapporté aux médias comme ça. C'est un tel qui gagne avec tant d'hommes de vote, un tel qui perd avec tant d'hommes de vote. C'est médias yo qui chita dans studio yo, Reuters, ABC, CBS, CNN, et puis yo compilé, yo décidé et pour parler dans télévision à soir après elle. Yo compilé, yo dit Kamala Harris 200 combien électeurs voix électorale. Donald Trump, de ce qu'on me voit électoral, pas une institution nationale qui a fait. C'est média qui a fait. Tout on a gardé. Ah bon? Et puis à un certain point, média ont pas décidé. Excusez-moi, ils ont pas décidé. Ils ont pas dit. En fonction de ça, chaque état a rapporté mes chiffres. On peut regarder ou après chiffre qui est-ce qui vote pour qui est-ce. Soit haïtien pas gardé vote populaire. En Haïti, sous gain 50% vote populaire plus sur nous gain. Ou bien au premier tour. Selon loi électorale actuelle, la constitution actuelle, là, vous suivez. Nous avons 25% de vérité. Longueur d'avance sur l'autre candidat ou gain. Aux États-Unis, pas comme ça. Dans 8 dernières fois, le président républicain gagne, dans 7 dans 8 fois, il perd du vote populaire. Parce qu'il gagne dans le collège électoral. Là. Donc, Kamala Harris, par exemple, qui a gagné. Plus probable. Les plus probable que les démocrates aient gagné. Vote populaire. Parce que l'État qui est démocrate, ils ont tendance à être très populaire et sur les côtes. Ok, ok. Et sur les côtes. Tandis que l'État, côté républicain, ils ont force, son petit État qui a eu Utah qui a 6 votes électorales. Ouais, et Nebraska qui a 5. Dans 5 ans, ils ont eu des gens qui ont un district. Les districts, le plus souvent, sont démocrates qui ont. Montana qui a 4. Kansas qui gagne 6, Wyoming qui gagne 3. Et puis, on a additionné tout l'État ça, tout l'État ça, tu n'as pas gagné. Donc, on a. Juste avant. Kamala Harris pas pas faire campagne à New York. Si à soir. Donc c'est perdu d'avance oui. Pour eux même. Si à soir ouais New York ouais Trump gagne Kamala Harris perd l'élection. Parce que Kamala Harris avec Trump pas fait campagne à New York. Trump te font un rassemblement à New York. Oui, il fait pour comme ouais c'est un monde qui est originaire de New York, ouais. Trump fait New York Queens. Donc monsieur tap troll Kamala Harris, ouais, la bonne merde. OK? Pour faire Kamala Harris vienne New York pour quitter Pennsylvanie pour quitter Michigan. Kamala Harris pas fait ça. Donc assoya en principe. Kamala Harris supposé gagner Californie à côté de sortir. 54 voix électorales. En principe. Oui, en principe. Souda elle perd Californie, perd l'élection. Kamala Harris a supposé gagner New York, supposé gagner New Jersey, supposé gagner Connecticut. Vérité. Texas. Excusez-moi. Trump supposé gagner Texas. 40 voix électorales. Il suppose gagner Floride avec 30 voix électorales plutôt voix et pas vote. OK? Et ainsi de suite. Maintenant qui s'est passé? Tendance là c'est pas faire campagne nationale pour aller côté mounyo ya pour qu'on problème mounyo. Parce que son l'argent perdu, c'est ton a perdu, on va gagner état ça quand même ou pas là-dedans. OK. Ou concentrer dans des états qui ont les swing SWING states. Ça veut dire des états qui balancent. On swing son balance. OK. OK, son balance qui balance. Il balance à gauche, il balance à droite. Il balance à droite, il balance à gauche. Ça veut dire, il y a pas qu'en New York.
OK, ou connaît qu'a voté pour démocrate. Ou bien Texas, ou connaît qu'a voté pour républicain. Ouais, ça me doula, il a balancé. Selon Jean Bagala et a son promettre yo, yo ka voter pour. C'est comme ça. État ça yo joine une attention disproportionnée dans campagne là. C'est là Trump avec Kamala Harris hier fini campagne yo. Gen 7 états en particulier comme ça. Pennsylvania, Michigan, Arizona, North Carolina, Georgia. OK, Nevada. Et qu'est-ce que m'poko di? 6 m'di Michigan, pas vrai? Oui, Michigan. Ah, m'di North Carolina. Oui, ou m'di Georgia. Oui, Arizona. Arizona. Donc Pennsylvania, gen 7 états. 7 états ça yo. C'est là où pral joindre balance qui pour bo 270 voix électorales là. OK, parce que regardez, collège là gen les 100 sénateurs, les 435 députés, ça fait 535. Washington DC pas un état. Le district de Washington côté gouvernement fédéral là, il n'y a pas gen sénateur, il n'y a pas gen représentant. Il y a un grand représentant mais il pas qu'à voter en congrès. Il qu'à délibérer dans la chambre des représentants, la chambre des députés, mais il pas qu'à voter. Donc pour le collège électoral, yo ba Washington 3, ça fait 538. Pour gagner, ou besoin 270. Vous suivez. Parce que 269, 269 fois égalité parfaite. Donc, vous besoin 270. Donc, moun qui fait 270 à soi, c'est le cap gain. C'est le cap gain. C'est le collège électoral. Mon capteur de nous là, mais ça, on a même connu. Nous parlons de vote populaire, nous parlons de vote collège électoral. Kounya là, c'est qui est-ce qui baille le collège électoral là, droit pour voter? Alors que tout le monde est sorti à le voter, et puis qu'on a autant d'après, il y a des grands électeurs qui vont le voter. Qui est-ce qui va au droit ça? Ou bien, comment on fait? Comment on fait? Quand on a une légitimité, ça? Moi, je vais commencer, me dit nous, en 1787, dans la Constitution, il est dit que le monde fin voter, le collège électoral se réunira à Washington, OK, dans chaque État, mais ça ne peut pas passer. Après, à soir, il y a une date dans chaque État. Côté, et les membres du collège électoral de cet état, qui signifie qui ça? Deux sénateurs, plus nombre de représentants. Yo. OK? Et Californie a 50 votes électoraux. Deux sénateurs, plus 52 représentants. Ça veut dire que Californie a 52 députés. 54 personnes ça va réunir. OK? Au Capitole, qui c'est le Parlement de la Californie, Yapchita, Yabdi, en assemblée, c'est Kamala Harris ou bien c'est Trump qui gagne l'élection en Californie. Et puis, à Washington, en décembre, ok, m'oublie date là pour le moment, tout grand électeur ça, qui sont des congressmen et des sénateurs, ouais. Yo pral chita au congrès, yo pral décider, yo pral voter pour deux candidats. Ok, c'est bagage ça que t'as fait le 6 janvier. Okay. Et puis Donald Trump voye tout moun sa yo. Yo tel kase. Premièrement, li mande vice-président pas certifié élection. Parce que te gen fraud. Le Mike Pence refuse, li fait un rassemblement dans la matinée, le voye moun yo a laisser fait pour collège la pas voter. C'est juste ça à collège la voter, li dit c'est un tel qui président, c'est là qu'on est qu'est-ce qui président des États-Unis. Officiellement. Kounya question. Est-ce que conseil là, est-ce que collège électoral là capable voter Jean population mandé a? Voilà, ça va pas faire, ça va pas faire. Bon, mais ça va pas faire pas autorité pour faire ça. Mais comprendre ce sont des êtres humains. Mais si il y a possibilité de me faire âme qu'a faire tout. OK. Mais ça va faire. Oui, mais ça ne va pas rien. Donc c'était Pierre Antoine Louis, donc qui ba nous en pile détail qui porte en pile précision pour nous et sur question de grand électeur et puis vote et populaire là. Donc pas oublier que Kamala, pas oublier que Hillary Clinton devant Donald Trump en 2016, il était gagné élection yo. Donc c'est grâce avec vote grand électeur yo, donc vote en collégial là qui était fait que il était gagné pendant que Hillary était gagné vote populaire là. Donc les pattes gagnent élection, les pattes arrivées donc en président États-Unis. Donc dans moment ça, donc nous gagnons une femme noire et qui gagne en pile chance là pour que il change l'histoire, même gens qui ont été faits en 2008 avec Barack Obama, donc il était premier garçon noir qui était président États-Unis. Et bien nous sommes là pour nous gagner une première femme noire
et qui pourrait être président donc grand pays ça les amis familiaux que n'a suivre pour nous porter tout dernier détail et pour vous pas bon la caille pas nous et bien nous gagnons donc organisation plurielle là qui était réunie donc qui porter en pile précision sur démarche légale que yo entamé donc en compte ça qui était arrivé fait en 31 octobre qui se passait là rendez-vous 33 côté que la police est débarquée pour arrêter Jean-Tel Joseph qui c'est chef opposition et eh bien yo t'es parlé dans micro la presse que nous va l'inviter ou attendez nous te font passer on regarde qui c'est opposition plurielle là qui a mené un gourmet constitutionnel un gourmet citoyen un gourmet moral un gourmet légitime on bat un gros bravo pour toute la presse qui là. Moi j'ai responsabilité dans la conférence de presse pour dans un premier temps nous expliquer qui ça qui s'est passé parce que en pile monde dans population pas compte qui ça qui s'est passé jeudi et 31 octobre qui s'est passé là dans rendez-vous. Donc premier bagage qu'on va faire pour expliquer population qui ça qui s'est passé nous va faire aussi mise en contexte et c'est ça qui objectif première conférence de presse. Premièrement, c'était une conférence de presse qui était annoncée, une conférence de presse conformément à sa loi PIA mandée et exigée. Nous sommes les premiers témoins de la presse et là, les dirigeants de l'opposition plurielle étaient là. Et nous t'ai constaté, pas de désordre, pas de troupe, pas de problème. Lorsque la police débarquait sous l'ordre ministre justice là et sécurité publique là, qui c'est Carlos Hercule, qui a fait un exercice macoute, qui a fait un exercice totalitaire que nous-mêmes nous condamnons à 400% dans la société. Yo intervenir dans une conférence de presse pour yo craser parce que parole capti dans conférence de presse yo c'est parole pour nous demander sécurité dans pays ya que yo te prend charge après plus que 7 mois yo pas qu'on montre nous yo sur route pour bail sécurité dans pays ya parole qui t'a parlé dans conférence de presse là c'était pour moun les 450 000 personnes qui ont obligé de quitter la caillou et ont pris responsabilité et ont dit qu'ils ont aidé les gens. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun côté dans le pays à côté véritablement accompagner les gens. Donc, conférence de presse là, c'était pour nous demander côté accompagnement que le gouvernement a dit, libéral by moun qui déplacent, donc pas violence. À notre grand étonnement, au 21e siècle, après tout combat qui mène dans le pays, nous regrettons que la police, sous dictée, ministre de justice, qui c'est Carlos Hercule, que nous regrettons que c'est lui qui a été dans le diagonal comme ça, avec le directeur général de la police, là, sous dictée premier ministre, vont écraser une conférence de presse que des partis politiques ont fait. Monsieur, rentrez en dedans. Nous t'es témoin de ça. Yo bastonné, yo bat moun, yo même tenté, pour que yo te tuye camarade qui se représentant diaspora en dans opposition et pluriel. Devant situation ça, nous venons dans un premier temps pour nous expliquer population qui t'a suivi ça qui passé et je dis à pas comprendre ça qui passé. Nous, monsieur, vini avec toute unité qui est dans la police là. Yo vini avec unité qui a rapport avec question vol de véhicules. Yo vini avec unité qui a rapport avec question armes. Yo vini avec unité qui a rapport avec question drogue. Yo vini avec chien. Chose pour nous. Et comme nous-mêmes, nous sommes des véritables responsables. Monsieur qui a organisé la conférence, yo c'est des véritables responsables. Yo pas joindre yon bout couteau. Ça c'est le premier constat pour nous faire. Yon pas joindre yon bout couteau.
Et là, yon passe nou bout de couteau, te yon deuxième tentative pour yon te discréditer opposition plurielle là et discréditer le chef de l'opposition. M'a parlé de camarade Jotel Joseph à qui m'a demandé pour nous battre un gros bravo pour lui. Joseph, pour courage, pour engagement que l'on prend, nous ne pouvons pas quitter le gouvernement Sahara, le pays, pour mener le nom élan totalitaire, ni pour venir persécuter aucun camarade politique. Et c'est ça que fait là, Mathieu. Donc, nous sommes témoins que vous essayez pour prendre machine et gris pour aller avec lui. Dans l'objectif, parce que vous n'avez pas de bout de couteau, vous n'avez pas de zab, vous n'avez pas de drogue, vous n'avez pas de rien, vous avez besoin de prendre machine. Non? Et là, je dis, commissaire, là, je voulais accompagner Edris pour tout le passer de la transparence. Commissaire, là, avec toute police, tu es opposé. Je dis, non, c'est seulement policier pour monter dans la machine. Non? Comme si vous prenez comme égaré, comme si vous prenez comme imbécile, vous n'avez pas de prendre machine, non? Pour y mettre des armes là-dedans, pour y mettre tout ça qui est là-dedans, pour y être capable de dire que l'opposition a fait des ordres, opposition armée. Allez. Donc c'était bien côté. Donc, devant ça qui passait jeudi 31 octobre là, nous qualifier comme un acte attentatoire, comme une violation grave de droits civils et politiques de la classe politique, disons, de l'opposition plurielle là, gagné, que Constitution Bali, que droit dans toute région et droit international là bayo pour yo réunir pacifiquement et pour yo faire passer nous t'es capable de dire revendication. Donc son violation grave et par devant cette violation grave nous pral ouais tout à l'heure là avec maître Caleb yo ensemble d'actions que nous pral poser pour nous montrer yo que green piment avec popiment ça intimider moun. Yo comprenn, yo ka persécuter moun. Nous répéter encore, c'est bien compté, mal calculé. Nous dit bon m'a dit grand pas fait nous peur, c'est pas bon masse qui t'a vinn faire nous peur. Et jodi a nous réunir dans conférence de presse ça. Non seulement pour que nous expliquer ça qui t'est passé, donc tout monde clair, pas de ça, pas de problème. C'est une conférence de presse qui t'a fait normal. Et, pas de aucun mandat d'amener, ni mandat de perquisition. D'ailleurs, pas capable de mandat. D'ailleurs. Et, le seul bagaille que Carlos Sécule, que le directeur général de la police a fait avec le premier ministre, c'était craponner les gens. N'a dit premier ministre, parce que pendant ma vie de matin, là, bon monde qui dit mon bagaille que m'a analysé. Il a dit pour le fond ADN pour le premier ministre. Là, nous prenons un faux Gary Koni. Parce que Gary Koni m'a fait travail dans les Nations Unies pendant tout le temps ça. Il n'y a pas de cas Samuel là, ça l'a baillé comme résultat. Donc il faut nous faire ADN pour connaître ce que c'est vrai Gary Koni. Non, parce que nous prenons faux Gary Koni. Parce que m'a fait le premier ministre qui a parlé. Il dit, pendant que tu as fait promener. Pendant la faut promener, yo informel nan dol. Gen nèg ki nan gang. Nan dol gen nèg ki en connexion à gang. Premier ministre pa di ki mou. Premier ministre pa di est-ce qu'elle a arrêté yo? Li pa di ki ta pou le faire. Donc, on y est premier ministre poser les actions, la plaigné elle vient porter nous plainte qu'on y la opposition. Donc devant une situation comme ça, déjà, il y a des actions qui envisagées. Il y a un ensemble d'actions que nous posons déjà. Nous alerter les organisations des droits de l'homme du monde entier. Nous faisons connaître, mais qui ça Gary Koni a tenté faire dans le pays, mais qui ça Carlos Sécule a tenté faire dans le pays, mais qui ça modèle des gouvernements qu'il a tenté faire. Donc, devant cette situation, ça, nous décidons. Dans le premier temps, camarade qui l'a, il prend très, de manière très succincte. Well, monsieur, pas même qu'à Québécois, tellement il est battu. Est-ce que nous d'accord avec vous, bagaille comme ça, s'il vous plaît, mes amis? Oh! Est-ce que nous acceptons aussi
situation comme ça, mes amis. Non. On a passé représentant et opposition, les diaspora, donc qui a dit nous état situation, parce que là nous est comme tout à constaté, c'est côté au côté pour capable venir là. Je là, qui gagne comme chef opposition, maître Jean-Tel Joseph, c'est un avocat militant dans le barreau Libalet. Jodia, je mets Evel Fofan Sotil. Ils sont expliqués. Ils sont mettez les prêts sur les îles pour qu'ils ne puissent pas bien comprendre ce qui est passé. Et nous-mêmes, nous prenons dire clairement qui ensemble action que nous déjà posé et action nous prenons poser contre tout le monde qui viole les droits de la population. Nous connaissons très bien que Carlos Hercule, c'est un avocat en incompatibilité, parce que le ministre de justice, dans le barreau Port-au-Prince. Et décret 29 mars 1979, là, qui régit profession avocat, il dit que l'autre occupe une fonction, l'autre retourne avocat, quoi faut inscrit sous tableau. Sous base ça, nous-mêmes dans l'opposition plurielle là, nous déjà écrit une plainte formelle contre M. Carlos Hercule, nous adressé avec bâtonnier, actuel bâtonnier, qui c'est M. Patrick Pierre-Louis. Parlez, M. Patrick Pierre-Louis a gagné pour convoquer M. Carlos Hercule avant l'examen de justice encore, peut-être dans les heures ou bien dans les jours qui viennent. Et puis nous-mêmes, pour nous connaître qui s'acte par le droit pour violer le droit nous-mêmes pour position plurielle. Parlez. Nous avons également une plainte côté nous demander, on demande d'intervention côté nous adresser nous avec protecteur citoyen. Parce que nous connaissons maintenant Edouville en tant que protecteur citoyen. Qui a dirigé OPC, qui c'est Office Protection Citoyen, son institution qui l'a pour lui protéger les citoyens contre tout abus de l'État central. Nous-mêmes, comme avocats, qui n'ont pas opposition plurielle, et moi, opposition plurielle, et tout le monde, nous déjà écrit maître dans Edouville pour nous demander, pour mener une enquête et pour faire une intervention côté nous-mêmes. Nous-mêmes dans l'opposition plurielle, doit nous pas respecter. Nous violons les droits, nous ne pouvons pas manifester, nous ne pouvons pas faire même conférence pour la presse. Ce sont des choses extrêmement graves. Nous parlons pas de dictature encore et nous n'avons pas agi plus mal que si nous étions dans la dictature. Moi, je pense que maître Renan Edouville l'a gagné pour faire intervention. Nous gagnons une plainte. Nous portons, messieurs, s'il vous plaît, nous complétons, nous portons cabinet d'instruction. Nous portons le cabinet d'instruction parce que nous-mêmes, comme avocats, c'est trop facile. Pour nous, nous avons une opposition pour ne pas violer la loi, ou faire tentative d'assassinat. Vous pouvez avoir de faire sous M. Jacques Gary, qui se représente 100% diaspora, ou faire violation de domicile, ou tenter kidnapper et assassiner chef opposition qui sont avocats, qui c'est M. Jean-Tel Joseph, ou tenter assassiner M. Caleb, ou tenter assassiner M. Evel Fofan, ou tenter assassiner Père Georges, ou tenter assassiner Genèse Tamant, et plus de 300 à 400 personnes qui étaient là. Nous-mêmes, comme avocats, nous j'ai déjà, nous, cabinet d'instruction, côté nous, côté lit, contre directeur général de la police, là, Nomil Rameau, contre M. Carlos Hercule, contre M. Gariconi, contre responsable commissariat Delma 33, qui est le M. Mathias Jean-David. Monsieur Mathias, Jean-David, empêchez-nous vivre. Quand fait tchoul, nous portons le cabinet de chouchou. Allez! Allez! Allez!
monde qui t'a impliqué disons que de près ou de loin non infraction dans commettre infraction ça avec dit monde ça a gagné pour répondre question la justice tôt ou tard parce qu'il faut nous connaître qui ça qui va faire ça nous gagnons également parce que nous mêmes comme hommes de loi de même nous mêmes les avocats yo dit pour autant pour yo train de nous faut que passer par barreau d'attache nous c'est peut-être ça nous demande qui gens faire persécuter un avocat qui c'est DG Jean-Tel Joseph pour ça qui c'est chef opposition qui yo faire persécuter mettre Caleb qui yo faire persécuter mettre Belvan qui yo faire persécuter mettre Jean-Claude Dubé qui yo faire persécuter tout l'autre avocat et tout l'autre opposition qui est là nous même comme avocat décret a dit si pour autant de nous faut que passer par barreau nous et bien loi qui crée la police là tout il dit que les policiers commettent une infraction comme nous écrit l'inspecteur général de la police. Sous base ça, nous déjà, complète formel, nous adressons avec l'inspecteur Franz Terminus, contre responsable commissariat d'Elma 33, qui est Mathias Jean-David. Parce que pour Mathias Jean-David, bah nous, qui est-ce qui te bat le droit? Qui je le fais rentrer en dedans, rendez-vous 33, sans mandat d'amener, sans mandat perquisition, pour la battre monde, pour la violer, pour l'entrer sans jus de paix, pour la battre monde, pour la craser et pour la empêcher. Nous-mêmes dans l'opposition plurielle là, nous faisons ça, nous faisons qui sont confiants pour nous. Avec dit tout ça, c'est une action que nous déjà fait. Pas oublier, nous-mêmes c'est action à faire parce que nous c'est avocats. Nous ne sommes pas une opposition tête baissée. Nous sommes une opposition à faire pour nous sauver le pays. Parce que nous toujours dit l'homme qu'il faut doit être à la place qu'il faut. Eh bien, comme nous-mêmes, pour équipe avocat qui est en opposition plurielle là, nous écrit président CIBA. Nous pouvons dire que CIBA, CIB, c'est la conférence internationale des barreaux. On veut dire que CIB, c'est la conférence internationale des barreaux. Chaque année, nous battons des nègres ici, avocats, on va aller en CIB, on va aller en France, on va aller en Suisse. Et nous rappelons-nous, les CIB a été faite en Haïti. Puisque nous ne pouvons pas vivre en base clos, nous-mêmes, comme avocats, DG Jean-Tel Joseph, comme chef opposition, qui persécutait, qui vraiment, je dis, a capturé ou persécuté. Persécution vraiment grave. Moi même mettre Caleb nèg yo dit faut arrêter faut tuer. Jean-Claude, ancien député, tout nous-mêmes qui sommes en position comme avocat, nous estimons que c'est nous qui avons fait action légale. Nous avons dit qu'il faut que nous stoppions nous. Eh bien, nous écrit CIB, président CIB, qui c'est monsieur Jean-François en route, nous écrit lui pour nous dire mais ça qui a passé en Haïti, mais ça y a un ministre de justice qui c'est Carlos Hercule. A fait nous-mêmes comme avocats, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, ancien membre de la Fédération des barreaux d'Haïti, qui est parti du conseil administration, qui est toujours dans la fédération, mais ça l'a fait nous passer comme avocats. Mais côté, il voulait tuer nous, il a violé les droits nous. Et je te fait un ordre, je te demandé à l'époque, sous la mort, M. Doval, le demande président pour justice ça. Au moins nous besoin d'un de yo et pour avoir telle mesure qui est des droits contre Carlos Hercule parce qu'on est capable de les droits monde pas qu'à virer tourner pour participer dans l'activité internationale. Nous gagnons également, pas oublier, Nations Unies, qu'on fait des rapports là, pour que les nègres qui passent sous sanction, pas vrai? Les nègres qui ont des drogues. Il y a des corruption. Il y a des gens qui ont sanctionné parce qu'il a violé le droit à monde. Et bien nous-mêmes, dans l'opposition plurielle là,
nous écrit madame Maria Isabel Salvador qui se représentant qui se représentant des Nations Unies qui se vraiment responsable de l'Union Haïti. Nous dit lui mes gens y a violé droit nous-mêmes dans opposition plurielle là. Nous dit lui pour yon mener une enquête parce que tout mener enquête sur bagarre moun ki nan drogue, moun ki nan zam, moun ki nan volé. Pour yon mener une enquête sur ça et pour yon soumettre nos violateurs ça yo avec Nations Unies pour des sanctions éventuelles et pour moun sa yo konnen sa nan Haïti yo doit être et pour moun sa konnen que yo pa ka là parce que y a violé droit moun et moun sa yo moun ka violé droit moun ou doué au côté moun ka violé droit moun ou doué pa ka voyager moun ka violé droit moun ou doué sous sanction et mais c'est raison ça écrit uni et puis nous écrit également la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Ablié, n'est-ce qu'on a fait avec opposition plurielle éclairée. Opposition plurielle cap bataille pour le peuple. Eh bien, nous écrit magistrat Roberta Clark, qui c'est vraiment président de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Pour nous expliquer, mais ça qui a passé en Haïti. Pour nous expliquer qui est un chef d'opposition plurielle, qui c'est DG Jean-Tel Joseph, a compté les sels pardon parce que il dit que souveraineté avant tout bagaille. Pour nous expliquer qui est un bastonné, M. Jacques Garry. Pour nous expliquer qui est nous-mêmes comme avocats. Nous pas qu'à vivre, nous pas qu'à fonctionner, nous pas qu'à manifester, nous pas qu'à faire confiance sur la presse pour nous expliquer comment manque opposition plurielle n'a pas financé et pour nous dire que moun sa ka violé droit moun yo pa doué kavraya moun sa ka violé droit moun yo doué mettre yo yoko. Nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Donc et si vous avez appris sur channel ça ou pourquoi abonner nous inviter à faire ça appuyer bouton de notification pour pas rater aucune vidéo pour qu'avin faire partie de famille à Noël Lacaille et nous saluer tous les amis nous qui un peu partout donc spécialement donc au monde États-Unis yo et un moment là quand cap suivant élection et fanatique Trump fanatique Kamala Harris donc nous connaît que grand pays haïtien qui prétend que Kamala ta bon parce que surtout monde qui immigré yo qui pour gagner et qui pour gagner Green Card là yo t'a souhaité que c'est et Kamala Harris qui t'a bon pour continuer avec et programme et ça yo et surtout et administration et Biden là te permettre avec un pile immigrant pour que yo gagner pour te rentrer États-Unis et puis pour un cadre de travail pour que yo travaille pour qu'a gagner rêve américain. Donc en bon côté Donald Trump lui-même il gagne en campagne là pour le déporter presque 13.3 millions immigrants. Donc, qui pral vraiment boycotter économie américaine. Est-ce que ça va arriver fait? Donc, c'est le président, nous allons regarder. Eh bien, donc, n'apprête-t'en dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran que moi invité au cliquer Kounia.